4 kilos. J'aimerais qu'on accueille dans le coin rouge le boxeur d'Épernay, le boxeur Servette Méral. Finale des championnats régionaux junior hommes dans la catégorie des moins de 64 kilos. Dans le coin rouge, le boxeur d'Épernay, Méral Servette. Méral Servette. Opposé dans la catégorie des moins de 64 kilos au boxeur tant attendu, le boxeur soudanais, Belamati Nino. Combat prévu en 3 fois 2 minutes. Belamati Nino. Arbitre de ces finales des moins de 64 kilos prévu en 3 fois 2 minutes, monsieur Jackie Kian. Dans les moins de 64 kilos junior hommes. Partenaire de cette finale, la ville chalonnaise, le conseil général de la Marne, le conseil régional également. Et sous vos applaudissements, la première reprise. Aïno! 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 Thank you.
Fin de la première partie.
quelle que soit la décision, j'aimerais qu'on les applaudisse très fort, ces défenseurs. J'aimerais que M. Michelot, ancien vice-président du conseil régional de la Marne, vienne remettre les médailles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et déclaré vainqueur et le nouveau champion de Champagne-Ardenne 2011-2012 de la catégorie des moins de 64 kilos, le point bleu de boxeur, Nino. Laissez Monsieur Michelot, ancien vice-président du Conseil général de la Marne, qui va remettre les médailles à ces deux boxeurs. J'aimerais qu'on applaudisse aussi le boxeur Meral Servette. C'est son troisième combat. On peut l'applaudir. Quel courage. Et c'est Madame Pieter qui va remettre le diplôme à Nino. Nino. Voilà. Voilà. Le nouveau champion 2011-2012 de la catégorie des moins de 64 kilos, le boxeur Nino Ferrati. Avant d'entamer la suite de ce combat senior homme élite qui va opposer le boxeur droit Ismaël au boxeur Bati Mamadou, j'aimerais vous présenter également la venue de notre champion des super et moyens, champion international IBF, le boxeur d'Épernay, Jean-Michel Amicaro.